Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de faire une série de vidéos qui aura pour thème un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que, en fait, c'est l'argument que je connais le mieux et où j'ai le plus d'expérience. Et donc, je veux parler du voyage astral. Alors, il existe déjà des centaines de livres, des centaines de vidéos sur Internet et de blogs qui parlent du voyage astral. Donc, je n'ai pas d'intérêt à ajouter quelque chose ou à donner des techniques pour les faire. Parce que en fait je ne sais pas comment je l'ai fait parce que j'y vais de manière spontanée, mais ce que je voudrais faire c'est partir de mes expériences et de mes récits de voyage et à partir de là vous expliquer comment et pourquoi je suis arrivée à de telles conclusions. Je vais essayer de faire des vidéos assez courtes pour pouvoir vous permettre de choisir directement la thématique qui peut vous concerner ou vous intéresser et vous éviter de vous perdre dans quelque chose de trop long et ennuyeux. Pour cette première vidéo, je ne vais pas aller vous parler d'un thème spécifique du voyage astral, mais comment je suis arrivée à comprendre que ce que je faisais était un voyage astral. Peut-être qu'à travers mon récit, quelqu'un se reconnaîtra à travers mon parcours et j'espère se sentira un petit peu moins seul et arrivera à affronter avec un petit peu plus de sérénité. Le fait de faire un voyage astral, de sortir de son corps et de voir des choses étranges et extraordinaires, hein, qui peuvent arriver pendant un tel voyage. Alors déjà, comme je vous avais raconté dans la vidéo précédente, en fait, j'étais consciente quand j'ai incarné ce corps. Donc de là, on peut bien imaginer que tout ce qui peut sembler étrange ou bizarre, hein, pour quelqu'un de normal était quelque chose pour moi d'absolument normal. Par exemple, le fait d'avoir intégré ce corps consciemment, pour moi, était quelque chose qu'en fait arrivait à tout le monde. Donc tout le monde était dans le même état que moi, tout le monde savait les choses que je savais. Donc je n'ai jamais réellement dit les choses, les expliquer parce que pour moi c'était comme manger, c'était comme respirer. Il n'y avait pas spécialement besoin d'en parler. Donc pour le voyage astral, pour moi c'était exactement la même chose. Le nom que j'avais donné à ce phénomène était les voyages contrôlés. Donc revenons au début. Donc quand j'étais petite, le voyage astral consistait à exaucer tout ce que je ne pouvais pas avoir dans la réalité. Donc je ne me souviens pas d'un premier voyage parce que c'est quelque chose que je faisais vraiment de manière constante. Mais en revanche, je me souviens très bien de ce que je faisais. Donc par exemple, une des choses que je faisais très souvent, c'était de matérialiser un miroir devant moi et de m'habiller en princesse parce que en fait c'était très très facile. Il suffisait que j'imagine ce que je voulais sur moi et la chose se créait automatiquement. Une autre chose que je faisais très souvent, c'était de voler au-dessus de la mer ou au-dessus de ces immenses forêts et qui s'accompagnaient toujours par une sensation de légèreté et de totale liberté qui était vraiment merveilleuse. Donc ça, ce sont les scénarios que je trouvais quand j'étais plus petite jusqu'à l'adolescence, plus ou moins. Ce que je faisais, c'était vraiment du tourisme et de l'amusement. En entrant dans l'adolescence, la fréquence des voyages astraux a commencé à diminuer. Mais en fait, je n'ai pas beaucoup prêté attention parce que j'avais, comme tous les adolescents, une vie réelle, pleine. Donc disons que je l'avais mis un petit peu de côté. Donc jusqu'à l'âge adulte, la fréquence était autour d'une fois par mois. Donc une fois arrivé dans l'âge adulte, ils se sont totalement arrêtés. Et cette pause a duré 2 ou 3 ans. Mais pour moi, en fait, ce n'était pas du tout un problème parce que les rares fois où j'avais essayé de me confronter avec d'autres personnes, leur réaction avait été que c'était seulement mon imagination, ou que c'était quelque chose que je m'inventais, donc pas du tout réel. Et donc, en fait, cette fantaisie
qu'elle soit présente ou non, pour moi, en fait, ça n'avait pas beaucoup d'importance. C'était certes un bon moment à passer, mais ça restait tout de même une simple fantaisie. Jusqu'au jour où, je ne sais absolument pas pourquoi, les voyages ont repris, mais avec une thématique beaucoup plus difficile, compliquée. J'étais vraiment sortie de cette idée de m'amuser ou de faire la touriste, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quelquefois, c'était vraiment très dur à supporter parce que ça ressemblait vraiment à des cauchemars, mais où j'étais vraiment consciente de ce qui se passait. Et je me suis réveillée plusieurs fois avec une peur au ventre terrible. Ou alors, quand je me retrouvais à faire des rêves contrôlés, je cherchais principalement à faire deux choses. Alors, la première était de manger. Et la seconde était de chercher un partenaire pour avoir une relation sexuelle. Et en fait, ces deux besoins principaux, même si j'étais consciente, étaient extrêmement difficiles à contrôler. Et en fait, je passais tout le temps du voyage astral à chercher ou à manger ou un partenaire pour avoir une relation sexuelle. Mais en fait, pour moi, ça n'avait pas beaucoup d'importance parce que comme je pensais que c'était le fruit de ma fantaisie et que personne ne le saurait, donc en fait je pouvais faire tout ce que je voulais sans me sentir coupable de quoi que ce soit. Mais c'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi j'avais ce comportement en astral et ce sera certainement le thème d'une des prochaines vidéos sur ce sujet. Même si très rarement je me retrouvais dans des situations que maintenant, avec le recul, je pourrais juger d'extrêmement dangereuses, la majeure partie du temps était en réalité quelque chose de très amusant pour moi et c'était le moyen pour moi de m'échapper de la réalité de ce qui m'arrivait tous les jours dans la vie quotidienne. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que à l'époque, quand j'étais petite, même si c'est pas il y a 100 ans, il n'y avait pas Internet et l'accès aux livres sur cette thématique était vraiment réduite. Mais ne sachant pas quoi chercher et où chercher, vous imaginez bien que la recherche était déjà terminée avant de commencer. Donc je continue à faire mes voyages astro sans me soucier de ce qui peut se passer. Je m'amuse, je fais vraiment n'importe quoi. Parce que le principe qui s'applique est que si personne le sait et si personne le voit, alors je peux faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Jusqu'au jour où je suis en astral et je vois un garçon, je rencontre un garçon et j'ai une fois encore envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Et donc je m'approche et je vais pour l'embrasser et lui très sérénement m'arrête, me regarde et me dit « Ce n'est pas parce que tu es en astral que personne ne le saura. » Donc là j'ai fait un pas en arrière, je l'ai regardé et en fait la première chose qui m'est venue c'est de dire « Non mais n'importe quoi. » Donc je reviens dans le corps, je me réveille et je continue ma vie de tous les jours comme si de rien n'était. Mais je dois dire que cette rencontre m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Et je pense que ce garçon que j'ai rencontré était également un voyageur astral. Comme j'ai vraiment grandi avec l'idée que c'était le fruit de mon imagination, je n'ai pas du tout pensé à aller chercher des informations sur Internet qui, à l'époque, existaient déjà. Donc, disons que j'ai mis un petit peu cette chose de côté. Mais c'est quelque chose qui tout de même trottait dans ma tête. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des séances d'hypnose régressive et je me suis rendu compte que la façon dont je voyais les images et la conscience que j'avais quand j'étais sous hypnose était semblable à celle que j'avais quand je faisais des voyages astro. Et c'est à travers l'hypnologue que j'ai entendu pour la première fois de ma vie les paroles voyage astral. À partir de là, j'ai commencé à aller chercher, même si de manière très superficielle, la définition de ce qu'est un voyage astral. Et je me suis totalement reconnue dans les expériences qui étaient racontées dans les livres et sur Internet. Mais comme je suis une personne très sceptique et qui se base généralement exclusivement sur la propre expérience, j'ai donc demander une preuve
pour qu'ils puissent me confirmer que vraiment ce qui se passait en astral, ce que je voyais, n'était pas le fruit de mon imagination ou le fruit de l'imagination de personnes qui racontaient leur expérience, et d'avoir le retour d'une personne physique qui aurait pu voir la même chose que moi j'avais vu en astral. Et donc la vie, dans son extrême ingéniosité, a décidé de passer à travers ma fille pour me montrer que, en fait, tout ce que je vivais en astral était réel. Donc je vais me coucher comme tous les soirs et je me réveille en astral dans la cour de ma maison. Au fond du jardin, j'ai un poulailler et au loin, je vois une vieille dame qui est en train de donner à manger aux poules et aux lapins. Alors à l'époque, ma fille avait environ 2 ans et demi, mais cette arrière-grand-mère était décédée quand elle avait quelques mois, donc elle n'avait pas de souvenirs réels d'elle, à part peut-être quelques photos ou d'avoir entendu son nom prononcé par quelqu'un. Je m'approche parce que je la reconnais tout de suite et je lui demande: mais Irma, qu'est-ce que vous faites encore ici? Et en fait, elle me regarde simplement avec un grand sourire et elle continue à donner à manger aux animaux. Au bout de quelques secondes, elle se déplace pour aller chercher quelque chose dans le poulailler. Et derrière elle, je vois ma fille avec une sucette dans la bouche. Alors, rappelez-vous de la sucette parce que c'est un détail très important. Dans les minutes suivantes, ma fille est accrochée au jupon de son arrière-grand-mère et elle la suit comme une ombre. Mais en fait, je sens que je suis appelée d'un autre côté, donc je laisse cette scène et je m'en vais. Le matin, je me réveille et je vais voir ma fille. Et comme tous les matins, je lui demande si elle a bien dormi, si elle a fait de jolis rêves, etc. Elle me répond qu'elle a très bien dormi et qu'elle a fait un très joli rêve. Donc je lui demande ce qu'elle a rêvé. Et elle me répond tout simplement qu'elle a rêvé qu'elle donnait à manger aux poules et aux lapins avec Nonna Irma. Alors, à ce moment-là, ça a été un peu un choc, mais j'ai essayé de me contrôler le plus possible parce que je voulais absolument pas l'influencer dans ce qu'elle allait dire. Donc, je lui ai demandé tranquillement si ça lui arrivait souvent de rêver son arrière-grand-mère, et elle m'a simplement répondu que oui, elle la voyait très souvent et qu'à chaque fois, elle lui donnait des bonbons et des sucettes. Voilà pourquoi il fallait se rappeler de la sucette. Donc pour moi, ça a été la preuve définitive que les voyages astraux sont réels et que je n'étais certainement pas la seule à en faire. Et pouvait avoir des conséquences que j'ai commencé à faire beaucoup plus attention à ce que je faisais en astral, et leur contenu a drastiquement changé. Je me suis aussi rendu compte par la même occasion que ce n'était pas quelque chose de normal, que tout le monde ne pouvait pas le faire et tout le monde ne le faisait pas, surtout de manière spontanée comme moi. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai commencé à en parler. Et c'est à partir de là aussi que dans ma vie, beaucoup de choses ont trouvé une certaine logique de pourquoi certaines choses m'arrivaient et de pourquoi j'avais cette vision du monde assez particulière par rapport au reste des personnes. Donc voilà. En ce qui me concerne, je ne le considère pas comme un don ou quelque chose de bizarre. Ça a toujours fait partie de ma vie. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument normal. Et le fait de pouvoir les faire de manière spontanée ne me fait pas du tout sentir supérieure à quelqu'un d'autre. J'ai plus d'expérience, c'est vrai, mais comme quelqu'un a plus d'expérience que moi dans un autre domaine. Ça ne veut pas dire qu'il est une personne supérieure à moi, ça veut dire qu'il a juste développé une capacité que moi, je n'ai pas développée. Mais c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde peut le faire, en fait, tout le monde le fait, mais ne le fait pas de manière consciente. Voilà, la différence est seulement ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a pu vous apporter quelques informations supplémentaires. J'espère que quelqu'un, comme je l'ai dit au début, va pouvoir se reconnaître dans mon parcours et ne pas se sentir un extraterrestre ou quelqu'un de bizarre. Voilà. Donc, non, tu n'es pas tout seul. Et si cet argument vous intéresse, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!